La médiathèque prend l'air ce week-end au Teche et s'installe sous la halle du port. Au programme, ateliers, jeux et spectacles pour tous les publics. La médiathèque prend l'air, c'est un événement festif qu'on réitère maintenant depuis 3-4 ans et puis qui permet une rencontre avec le public de façon à proposer une large variété d'animations. Tout au long de l'année, on vous attend nombreux, effectivement, pour découvrir notamment Arnaud Nadeau, qui est un plasticien qui vous fera faire une fresque dans le style un peu street art, complètement innovant sur la commune du Teche. Toutes les animations de la journée sont gratuites et elles sont ouvertes à un large public, notamment le public familial, donc n'hésitez pas à venir avec vos parents, vos grands-parents, plus vous serez nombreux et plus l'animation sera festive. La médiathèque, c'est également, depuis son ouverture, il y a bientôt 5 ans, 1500 abonnés depuis son ouverture. C'est également une fréquentation de quasiment 500 personnes par semaine. C'est la possibilité d'accéder à de nombreux ouvrages, des livres, des bandes dessinées, des CD, des DVD, mais également des ressources numériques qui vont être de l'aide aux devoirs, qui vont être de la musique, également des livres à écouter. La médiathèque du Teche propose toute l'année des animations récurrentes et je pense notamment au rendez-vous du mercredi destiné à un jeune public, également l'opération Lire et Lire en partenariat avec les bibliothèques départementales de près. Et puis un autre temps fort, plus tard dans l'année, le salon de la BD au mois de novembre. La médiathèque accueille tout au long de l'année 27 classes, en plus des crèches et des assistantes maternelles lors de lectures publiques et notamment des contes, mais également pour découvrir l'ensemble des propositions d'animation et des ouvrages de la médiathèque.